comment se passe la transformation. C'est comme ça. Voilà, mais parce que j'ai tout simplement le papayé qui se tient devant moi actuellement. Voilà, ce sont des papayés de type femelle. Voilà, ce sont des papayés de type femelle qui sont là comme ça. Maintenant, pour ceux qui ont des papayés, voilà, qui sont de type mâle, voilà, je vais vous montrer comment on procède au changement. Voilà, pour procéder au changement d'abord, il faut avoir dans votre main, pour tout papayer, voilà, deux bâtonniers. Voilà, deux bâtonniers, c'est le genre de type qui sont dans ma main comme ça, deux bâtonniers. Voilà, pour le changement, c'est comme ça qu'on passe pour faire le changement du papayer. Voilà, donc c'est comme ça, pour pouvoir faire le changement, voilà, vous regardez d'abord le bas. Voilà, parce que genre, les ciments sont donnés deux, voilà, vous regardez le bas du papayer. C'est là comme ça. Voilà, c'est là comme ça. Voilà, c'est le bas qui est là. C'est la tige principale, donc vous regardez le bas qui tend vers les racines. Voilà, c'est là comme ça. Maintenant, vous allez prendre votre premier bâtonnet. Le premier bâtonnet, vous devez faire de sorte qu'elle puisse transpercer. Voilà. Voilà. Voilà, quand elle transperce, voilà, vous avez piqué d'abord le premier, voilà, dans le premier est déjà piqué. Mais vous ne faites pas de sorte que elle puisse transpercer le papayer. Voilà, le tronc du papayer, vous avez le premier bâtonnet, transperce d'abord à moitié. Elle ne doit pas sortir, mais c'est le deuxième, vous regardez, soit vous pouvez faire soit de 20 cm, voilà, avant de piquer le deuxième. Maintenant, c'est le deuxième bâtonnet qui va faire de sorte sous forme de croix. Voilà. Une croix. Voilà. Vous faites là comme ça. Voilà. 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 Comme vous voyez, vous avez fait ça comme ça. C'est fini. Voilà. Vous avez bien regardé. Regardez, suivez bien. Le premier bâtonnet, elle ne doit pas transpercer le tronc. Voilà. Le premier bâtonnet, vous piquez ça tout juste, pas loin des racines. Maintenant, après cela, vous pouvez laisser soit 20 cm avant de piquer le second. Voilà. Quand vous allez piquer le second, vous faites forme de croix de Jésus, là comme ça. C'est sans cette méthode-là qui vont permettre au papayer de changer d'hormone. Voilà. C'est ça comme ça, au bout de 3 mois, l'hormone du papayer va changer. Parce que cela va permettre au papayer, forcera le papayer à changer d'hormone tout à coup. Il va changer d'hormone au bout de 3 mois. Vous allez voir que vos papayers mâles ne seront plus mâles, mais plutôt elles deviendront femelles. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir regardé et nous serons à la prochaine pour d'autres méthodes. Voilà, sur d'autres plantes. Voilà, donc c'était toujours moi, Bissot Sylvain. Bon, à plus.